ja, Espanya. Encara és d'hora, però a l'hotel Granollers, Didier Grenier ha sortit de la seva habitació amb les piles carregades. Grenier és un dels aficionats francesos que ha fet parada als hotels de Granollers per animar la seva selecció al Mundial. A Granollers ha seguit el camí de la selecció francesa durant tota la ronda preliminar i la main round. Ara que és a la ciutat, li sorprèn no veure més en vol a la televisió. In France, la BIN, Eurosport, repasse les matchs. Ici, hier, j'étais prendre en face le stade, il y a un bar. Football, basket, handball, non. No és el primer cop que segueix a la seva selecció. El 2003, a Croàcia, va acompanyar les franceses en el seu camí cap a l'or. Aquest any, però, no les té totes amb que la seva selecció pugui revalidar el títol. Ce que j'ai vu pour l'instant ici, il y a une équipe qui est au-dessus, c'est le Danemark. J'ai pas vu la Norvège, j'ai pas vu la Suède, j'ai pas vu les Pays-Bas qui sont teneurs du titre, mais voilà. Donc la France n'est pas favorite, elle est en dessous. Precisament a Croàcia, Grenier va quedar sorprès amb els pavellons i les instal·lacions esportives del país, una sensació que no s'ha repetit al Palau d'Esports. Il est trop âgé. C'est fini. Moi, j'ai été 2003 à Zagreb, le stade est le double. Une enceinte, 5000 personnes. Il y a 4500 Hongrois. Ici, ça devient... C'était pour les Jeux Olympiques, c'était très bien. Maintenant, c'est... Ara Grenier ja es prepara per fer les maletes i tornar cap a casa. Diu que no es queda a veure la fase final, sobretot pels preus de les entrades. Parce que là, c'est des billets pour des riches. Moi, je suis pas hyper riche, mais j'ai un peu d'argent, donc j'ai pu me payer ça. Mais les gens qui sont ici, qui travaillent, les infirmières et tout, il fallait les inviter, là, dans les hôpitaux. El Mundial el seguirà des de casa seva, a Montpeller, on espera veure la seva selecció triomfar a la ciutat que l'ha acollit.